Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Affaire Bobda. Je sais que beaucoup ont attendu que Franco dise quelque chose. J'ai même suivi certains font la vidéo, dit même que Franco est coupable. Franco masqué, il ne veut rien dire parce qu'il sait, il fait... Bref, nous étions sur Facebook. Nous avons vu un influenceur, on appelle Zumento, pour une première au Cameroun, faire un direct qui a eu en 45 minutes 50 000 abonnés, 145 000 commentaires. Il y a un influenceur au Cameroun, on l'appelle Steve Fa, qui chante chaque jour qu'il est l'influenceur des influenceurs. En Côte d'Ivoire, il y a les Makoso, avec Apoutchou, ils discutent chaque jour qui sont les meilleurs influenceurs de l'Afrique centrale et tout. Je crois que maintenant, chacun connaît l'influenceur qui influence les influenceurs. Quant à ceux qui attendent que Franco vienne dire que ils ne voient pas ce qu'il avait dit aujourd'hui, que vous n'avez pas déjà entendu, ou bien qui vous pensez que moi je suis suivi plus que Zumento, vous voulez que je dise encore quoi? Ce que je voulais juste vous dire aujourd'hui, quand j'ai allumé ma caméra, les amis, vous avez promis que je devais être en Côte d'Ivoire pour la CAN. Si à jamais les Lions rapportaient, les Lions gagnaient. Ils ont traversé la phase des poules. Oui, ils ont traversé, mais je suis obligé de vous dire la vérité, honnêtement. Je ne peux pas être en Côte d'Ivoire parce que j'avais oublié que j'étais sur un contrat trop cher, comme vous me voyez avec tous les équipements, appareils photo, caméra, drone, tout ça. Je suis du côté de l'Ouest, particulièrement à Bangoua, pour couvrir cet événement. Banga Foka, ok, merci papa. Banga Foka, un événement de 4 jours donc. Quand j'avais annoncé que si les Lions gagnent, je devais être en Côte d'Ivoire, la famille là m'a averti depuis 3 mois qu'on m'a versé l'argent. Donc les gars m'ont appelé, vous connaissez les Benguis, que Franco. Dans le contrat, il était question que tu devais être là. Donc si tu n'es pas là, arrange-toi de ton retour en Côte d'Ivoire, d'aller en Konengi. L'homme, c'est sa parole, c'est vrai. Mais comme il y avait une parole avant, j'étais obligé de respecter ma première parole. Donc désolé les gars, si les Lions gagnent demain, je crois qu'on sera ensemble pour les quarts de finale. Donc, je vais vous laisser voir ce qui est en train de se passer ici à l'Ouest. C'est un grand événement. Restez scotchés. À tout à l'heure. Oh,